Moi, définitivement, le réveil, je pense. Alors, qu'est-ce que je fais en arrivant au bureau? Déjà, je dis bonjour à tous mes collègues, et puis après, je prends un café. Mais avant, quand même, je check mes mails. S'il n'y a pas de mail urgent, effectivement, on va au café avec tous les collègues. Moi, la première chose que je fais en arrivant au bureau, je vais à la salle de sport. Si je suis de bonne humeur, je dépose mes affaires, et puis je branche mon PC, ma souris, et puis je dis bonjour à tout le monde. Et sinon, rapidement, je vais prendre mon petit café. Ta routine ou ton rituel pour te mettre dans le bon état d'esprit pour travailler? J'aime bien écouter de la musique le matin avant d'arriver au bureau, un peu énergique, ça me fait du bien. Et faut dire quand même que le café, il fait vraiment beaucoup de bien. Vraiment faire ma to-do list accompagnée d'un bon café et après la journée elle est partie. Moi c'est un petit peu pareil aussi, je fais ma to-do list et j'essaie de gérer les problèmes en premier pour après avoir des choses plus sympas à faire dans la matinée. L'appli dont tu ne pourrais pas te passer, je dirais Instagram parce que je passe quand même beaucoup beaucoup de temps dessus. Je vais dire Instagram aussi. Moi définitivement le réveil je pense. Un conseil professionnel que tu as appris sur le terrain et qui n'est pas enseigné à l'école, je dirais la curiosité, le fait d'apprendre de l'autre et même des gens qui ne sont pas forcément dans ton parcours de prédilection. Tout le temps essayer d'apprendre sur des nouveaux sujets qui correspondent un peu à notre secteur. Je dirais être curieux et poser beaucoup de questions, même quand c'est des questions qui ne paraissent pas forcément utiles. La chose la plus inattendue que tu aies apprise en travaillant dans votre domaine actuel, la qualité des données qu'on a à notre disposition pour travailler. Je dirais à quel point les sujets de RSE peuvent être très très larges, c'est pas uniquement ce à quoi on va penser en premier. Étant dans le e-commerce, je dirais que en fait on se remet toujours à l'homme finalement. C'est l'humain qui décide de changer ou pas et donc la conduite du changement sans la validation de l'humain, elle ne fonctionne pas malgré le fait que ça soit du digital.